Et salut, c'est Kana! Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir trois mini-tines Paldea avec le visuel Pikachu. Allez, c'est parti! Donc dedans, il y a toujours une carte artistique, deux boosters et la carte qui permet de se combiner une fois qu'on aura ouvert tous les visuels. Donc je vais ouvrir les trois. Donc là, du coup, on a l'autocollant, la carte pour faire le visuel final et les deux boosters. Donc les deux boosters, c'est un tempête argentée et un écarlate et violet, la première extension. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient mis des petites ouvertures faciles, si on peut appeler ça comme ça. Donc toujours les deux et les deux. Ouh, le visuel là, il est super beau, c'est la première fois que je le vois. Du coup, c'est l'éviateur cristallisé, je crois. Allez, oula. Bon, je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit quand on ouvre. Du coup, c'est du plastique semi-dur. Oh! Pressé de sortir, cela. Là. Et les deux boosters. Une petite boîte sur le côté. Et on va commencer par les boosters Tempête Argentée. Allez, c'est parti. Donc là, on est encore avec l'extension épée bouclier. Donc il faut faire le switch. Hop. Et donc ce sera Anorith, Mystigrix, Oniglali, Mimigal, Tarsal, Cradopo, Nucleos, Nosferapti. En reverse, on aura le petit Tarsal, suivi du Golem. On enchaîne avec Trépassable, Draco, Coatox, Fermite, Emolga, Terral, Limonde, Goupix. Oh. Oh. Mélocric V. Et Symbiose. Mélocric. Je crois que dans le Pokémon Perle, c'est celui qui m'énerve, le Pokémon qui m'énervait le plus. Je tombais tout le temps dessus. Hop. Allez, on enchaîne. Et ce sera Hypnomade. J'ai tout qui est tombé. Corbosse. Fenard. Fampi. Vimsir. Vorastéri, Feuforêv, Tilton, en reverse le Tilton et la pierre scellée terrestre.
Hop, là. Allez, on passe au booster écarlate et violet. Et ce sera avec Olivado, Coiffeton, Scalpion, le maillet écrasant, le gros tas de morve, Briochin, Nigirigon, en reverse on a Pomotte, suivi du panier de pique-nique et de Scalpereur. Alors, je vais finir par le booster Léviator. Encore ma superstition, mais comme j'ai jamais ouvert ce booster, enfin ce visuel, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Le Colossinge, Pomme, Tissamboule, Riolou, Briochien, Briochien, pardon, je dis Briochien en fait, mais c'est Briochien. Le Chartor, le Scovilain, je ne connais pas, c'est quoi, c'est une tête gentille et une tête méchante? Non, ça n'a pas l'air. Ok. On a l'énergie en reverse, suivi du Terra Cruel. Bon, c'est clairement inspiré de Tentacool, quoi, et Tentacruel. Et le Arboliva. Allez, le dernier booster. Bon, ça serait bien qu'on ait quelque chose quand même. Parce que là, bon, on a le Mélocric, mais. Mais c'est tout. Ah, ça veut pas. Hop, ça a bougé. Là. Et là. Allez, on a Polychombre. Poussachat. Malos. Baudrive, Hyperbole, le Cléopsytra, je ne connais pas du tout, Flotillon non plus d'ailleurs, ok, Pepper, on a Tapatos en reverse, suivi de Mascaïman, et est-ce qu'on a quelque chose? Non. Et ce sera Flamigator. Donc du coup, sur ces 6 petits boosters des petites Pikachu, on aura eu uniquement le Mélocric. Qui est juste là. Donc du coup, c'est ouais, c'est la TG12 sur TG30. Hop. Je sais même pas ce que signifient les TG. Si vous êtes au courant, ça m'intéresse. Donc vous pouvez laisser un petit commentaire. Je suis preneuse de toute information. Hop. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Je vais continuer hors caméra de protéger les cartes. Et on se retrouve pour un autre visuel de 3 mini tin box. Allez, salut les gens!